Tu tem, então, entre 15 e 20 minutos para apresentação, tá? Quando tiver faltando 5 minutos, eu te aviso no chat, tá bom? Ok. Então vamos lá. Tá dando para ouvir bem? Tudo certo? Tudo certo, a gente vê a tua apresentação. Se tu pudesse colocar ela em tela cheia. Isso. É, ali embaixo. Bom, enquanto, né, vai atualizando aqui, meu nome é Bruna Coelho, eu sou da Universidade Federal de São Carlos, e o meu trabalho de, né, a pós-graduação, né, do mestrado, ele tem como título Frases de Duplo Sentido como Objeto de Trabalho dos Ludolinguistas na Web. Então, vamos lá. A PAVU, em meio ao que ela chama de linguística popular ou linguística folk, ela propõe uma classificação dos praticantes da linguística folk a partir de um contínuo entre aqueles que fazem da linguística uma ciência una e aqueles que não, por ordem decrescente de um domínio especializado a respeito da linguística, esse contínuo ele vai do linguista profissional ao homem comum. A partir dessa noção, a gente vai trabalhar com uma abordagem integracionista, ou seja, que vai integrar os dados que são considerados folk à linguística acadêmica, sem que uma fronteira seja posta entre esses dois fenômenos. Dentre os não linguistas, está aí o que a PAVU chama de ludolinguistas. O que seriam esses ludolinguistas? Os ludolinguistas, em resumo, atuam como especialistas na manipulação lúdica dos significantes, e na análise a gente vai entender como é que isso acontece. Para descrever essa pesquisa, nós trabalhamos basicamente sob a luz das categorias discursivas de pré-discursos propostas pela Marianne Pavu. A partir da proposta da tipologia proposta por ela, nós buscamos explorar discursivamente um tipo particular do trabalho dos linguistas, que é a produção e circulação de frases de duplo sentido. A análise do nosso corpus, ela ocupa-se de uma concepção deliberadamente assentada em duas dimensões, que é a dimensão enunciativa e a dimensão perceptivo-cognitiva. A dimensão enunciativa é a da co-construção do sentido em discursos que nós buscamos entender a partir da articulação da linguagem e da paralinguagem. E a dimensão perceptiva é aquela dos quadros e crenças populares partilhadas entre os enunciadores que fazem circular discursos ideologicamente demarcados, como discursos machistas, racistas, homofóbicos e etc. Vocês estão me vendo ainda? Fico com medo de ter caído aqui. Tudo certo? Não, Bruna, a gente está te vendo sim. Beleza. Para tratar as questões linguístico-discursivas colocadas em jogo pelos ludolinguistas nessas práticas, nós nos apoiamos sobre a noção de memória discursiva e pré-discursos. Basicamente, a gente tenta entender como as condições sociais, históricas e cognitivas de produção dos discursos envolvem a produção e a circulação das frases de duplo sentido. A gente escolheu como objeto as frases retomadas na peça Nós na Fita, que é uma peça interpretada pelos comediantes Márcio Melling e Leandro Hassum. Essa peça ela está disponível para visualização lá no YouTube, e o conteúdo dela consiste basicamente no diálogo entre dois personagens, que é o Pedrão e o Jorginho, onde eles praticam uma brincadeira verbal de encurralar o outro com alguma afirmação pornográfica, e esse tipo de brincadeira ela é chamada de empulha. A definição do corpus, logicamente, que deixa de fora uma série de fenômenos. Vamos lá para algumas questões que norteiam a análise do nosso corpus. O ludolinguista, ao enunciar, ele faz a língua entrar em funcionamento, e esse funcionamento ele é afetado pela memória do dizer. O movimento produzido desloca os sentidos, muitas vezes silenciando ou dispersando a sua multiplicidade, em outras reforça seu aspecto de evidência e unidade. Existem regularidades que percorrem os discursos sustentados pelos enunciadores. Tais regularidades
caso elas existam, podem ser entendidas como responsáveis pela manipulação, pela manutenção de um discurso outro, como, por exemplo, né, aquele discurso machista, racista, homofóbico. Responder essas questões aqui nos permite compreender não só a produção e a circulação de frases de duplo sentido tomadas como objeto aqui, mas também as estratégias linguísticas discursivas colocadas em jogo aí pelos ludolinguistas, né? As estratégias que eles usam ao elaborar esses discursos. As frases de duplo sentido retomadas na peça teatral Nós na Fita se apoiam na ambiguidade, ou seja, né, elas têm um sentido denotativo e um sentido conotativo, um sentido mais ingênuo e um sentido de cunho malicioso, de cunho sexual. Essas frases de duplo sentido, elas são frases de duplo sentido maliciosas, né? E aí a ambiguidade concede essa... ela produz, né, esse efeito de obscenidade e de humor. Vamos lá, então, para a análise do corpus em si. Vale lembrar também que o discurso humorístico, né, ele faz apelo a uma memória, a um saber, né? O que faz esse texto humorístico falhar é justamente a falta dessa memória, desse saber, né, pré-construído. E os textos de cunho humorístico também, eles exploram concepções ou fatos sociais já disseminados, eles não difundem discursos novos, eles exploram já uma forma recorrente de discursos. Aqui na primeira frase, sabe-se 20 quilos de carne dá para 20 comer? Aqui é evocado um saber, né, partilhado entre esses dois personagens, que estabelece a possibilidade da leitura maliciosa. A frase, ao ser pronunciada, dá para 20 comer, ela sofre um deslocamento de sentido que acontece justamente pela presença dessa memória, né? O sentido dual da frase, ele é possível porque ele carrega marcas desse discurso outro. O efeito ambíguo aqui, ele existe não só pelo uso do verbo comer, que aqui implica a parte ativa do ato sexual, né? Comer você, fazer sexo com você, mas também pela relação entre o signo linguístico 20, que é um numeral, e a expressão resultada da junção de um verbo e um pronome, né? O 20. A compreensão dos múltiplos sentidos presentes nessas frases, ela só é possível devido à partilha, né? A partilha do saber, a partilha dessa memória. E a Pavô, ela aponta que a partilha do sentido é fundamental para que haja a comunicação, né? A comunicação e a circulação dos discursos. Segundo a Pavô, as propriedades dos pré-discursos lhes conferem essa atitude para criar a partilha semântica que se manifesta aí de algumas formas linguageiras. Então, vamos aqui para o próximo exemplo. No próximo exemplo, o primeiro personagem fala: eu estou abrindo uma fábrica de ralo. O outro fala: fábrica de ralo? É, ralo, sei. Eu não tenho onde expor. Eu sei que você tem um quintal grande aí nos fundos. Tem sim. Então, posso expor ralo aí atrás? É mais uma frase de sentido dual, malicioso. O efeito malicioso aqui, ele recai sobre a sequência linguística, posso esporrá-lo aí atrás. Esporrá-lo pode ser entendido, né? Ser entendido como esporrá-lo, e faz referência ao ato de ejacular. No espanhol, o termo porra, ele é de origem espanhola, e ele significa clava de madeira, ou um pedaço de pau, porrete. Esse termo também aparece em Portugal, mais ou menos com o mesmo significado. E no vocabulário, né, chulo brasileiro, digamos assim, faz referência ao ato de ejacular. Então, em eu posso esporrá-lo aí atrás, o enunciador refere-se ao ato de ejacular na parte traseira do outro, né? A Pavô, ela aponta, né, que ao tratar as questões da língua como transcendental e autônoma, e transmissível, uma vez que ele é histórico, construído e comunicável, sobre o modo de cognição distribuída e se apoia nas ferramentas da tecnologia discursiva. Essa frase, né, essa posso esporrá-la aí atrás, tanto como as demais analisadas aqui no nosso corpus, elas poderiam ser ditas
de um homem para uma mulher ou de um homem para um homem, mas em ambas as situações ela coloca quem recebe a piada, né, quem recebe a afirmação, em uma situação desagradável, uma situação desconfortável. Então, sim, a gente pode dizer que tem um fundo machista, tem um fundo homofóbico aí por trás dessas piadas. Outra questão bem interessante aqui é a utilização da metáfora na construção desses múltiplos sentidos. A Pavu, ela chama a metáfora de construção cognitivo-textual e discursiva. Então, ela diz que a memória, ela tem um papel fundamental na compreensão, né, na recepção da metáfora. A implicatura desse material linguístico, né, ele só faz sentido porque há uma memória, né? Ele só faz sentido porque os pré-discursos, enquanto quadro coletivos, estão inscritos na memória cognitiva discursiva dos seus locutores. Vamos lá, então, para o próximo exemplo. Aqui no próximo exemplo, ou você me desculpa aí se eu te machuquei por dentro, é que eu sou meio cabeça dura. Aqui, né, a gente também recupera um discurso de cunho sexual. Na primeira possibilidade, esse cabeça dura, né, ele refere-se a uma ação de teimosia, né, a pessoa que não muda facilmente de opinião. E logo em seguida vem um pedido de desculpa, que é perfeitamente aceitável, já que quem falou, né, pretende se retratar. Já a segunda possibilidade, ela produz um efeito malicioso, supondo que o outro, né, teria penetrado e machucado a pessoa por dentro. E essa possibilidade de leitura, ela é possível devido à parte, né, masculina entrar essa dura, faz menção, deriva, né, no vocabulário mais informal, de contexto masculino, né, nesses ambientes de descontração masculina. Então, né, cabeça dura acaba sendo compreendida como a parte ativa aí do ato sexual, machucar por dentro. A ambiguidade inerente nessas frases em análise, ela é recorrente de práticas discursivas dos ludolinguistas, né, que atuam aí principalmente no campo do humor. E esse efeito, ele só se concretiza devido ao armazenamento pré-discursivo que é evocado aqui. Então, a gente pode dizer que sim, o trabalho linguístico discursivo dos ludolinguistas, né, que não são considerados linguistas profissionais, eles fazem a língua entrar em funcionamento, e esse funcionamento, ele é sim afetado pela memória do dizer, né, pela memória discursiva. Nesse sentido, também há uma certa regularidade, né, que percorrem aí, que sustentam essas frases de duplo sentido, né? Eu trouxe aqui só alguns exemplos, coloquei aqui, tiveram outras frases, né, aí na análise. Então, a gente pode perceber que elas são alicerçadas por pré-discursos que rompem na materialidade linguística, garantindo a manutenção e a disseminação desses sentidos. Por fim aí, considerações finais, conforme descreve a Pavu, os ludolinguistas, eles atuam, né, na manipulação lúdica dos significantes, e podemos dizer que as frases analisadas aqui nesse corpus, elas são um bom exemplo, né, desses denunciados aí que compõem o trabalho dos ludolinguistas. Então a gente conclui que os estudos a respeito do saber folk são evidentemente pertinentes à análise linguística, e não são necessariamente crenças falsas a serem eliminadas da ciência. Constituem, ao contrário, saberes pertinentes à análise linguística. E é isso, basicamente. Eu falei um pouco rápido, né? Fiquei um pouco nervosa, acabei acelerando. Talvez eu não tenha usado pouco tempo. Na verdade, fiquei meio assim, não vi quanto tempo eu usei. Mas aqui no nosso trabalho, nós compreendemos não só a produção e a circulação das frases de duplo sentido, né, aqui, tomadas como objeto, mas também estratégias linguístico-discursivas atuantes aí no trabalho desses ludolinguistas, né? E aí
esse trabalho, né, torna cada vez mais sólidas aí as teorias a respeito da linguística folk, que são, né, tão recentes aí para a gente na análise do discurso. E é isso, obrigado. Obrigada, Bruna. Obrigada, depois a gente vai voltar em alguns pontos, talvez, nas perguntas. Então, okay. Passe de Rectamon, se pode parar o compartilhamento da tela, a gente vai passar para a apresentação seguinte. Donc, on va passer à la présentation suivante, en espérant que tout se passera bien. Que tout le monde soit. Oui. Donc, je vais essayer encore de partager tes dates avec moi. Il faut que Brune. Oh, voilà. Oui, on a fini. Donc là, je peux maintenant. Oui. Allez-y, pardon. Allez-y. Je vais faire un essai. C'est toujours désactivé le partage pour moi. Ah, pardon, excusez-moi, c'est moi. Voilà. Là, ça doit fonctionner. On espère que ça va fonctionner. Alors, partager. Ah, c'est bon, je crois. Oui. D'accord. Alors, je vous dis déjà merci aux organisateurs de ce jeu. Est-ce que tu peux, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre en plein écran? Plein écran? Oui. C'est bon? Normalement, c'est ici, tout en bas. Vous voyez ici, il y a notes, commentaires. C'est le quatrième icône, celui-là. Là? Non, avant. Celui-là. Oui, voilà. C'est bon, là? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je vous dis merci de me donner l'opportunité d'intervenir pendant cette journée d'études sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur, notamment la dimension épistémologique et surtout méthodologique de l'analyse numérique. Et donc, je me propose de réfléchir sur l'analyse des questions numériques à travers une proposition théorique et des contributions méthodologiques. Alors, mon propos va s'articuler autour de deux points essentiels, à savoir des encarts et des cadrages, et quelques notions qui nous permettront notamment de proposer des méthodes. Alors, il faut dire que notre communication s'inscrit dans la technolinguistique, donc dans la prise en compte de la dimension à la fois technique et linguistique des pratiques discursives en ligne. Et nous mettons dans la technolinguistique tout ce qui a un rapport notamment avec les pratiques discursives numériques, sur le web et donc les interactions professionnelles également, tout ce qui va entrer dans le cadre de la description et de l'analyse des discours numériques en prenant en compte les caractéristiques linguistiques et technologiques. Et donc, ce que nous appelons technolinguistique, ce sont ces travaux qui vont rassembler toutes les études, notamment celles que nous faisons aujourd'hui sur les discours numériques natifs, notamment à travers l'analyse du discours et ce que nous proposons aujourd'hui comme en griffe une nouvelle épistémologie, à savoir l'analyse des conversations numériques. Alors, pour ce travail-là, j'ai essayé de parcourir quelques ouvrages, notamment le livre de Christine Develos sur Décrit la conversation en ligne, également l'ouvrage de Michel Marcosia sur la communication numérique écrite, et Matteo Farina dans Facebook and Conversation Analysis. Alors, il faut dire que ces travaux-là mettent l'accent, pour le premier, sur la multimodalité et la visioconférence en faisant une écriture alternative conversationnelle en cas de défaillance de dispositifs audio. Et ces propos viennent notamment de Antonio Lidicote. Il faut dire également que Marcosia, pour sa part, il travaille sur les écrits d'écran, mais ne met pas véritablement l'accent sur la dimension technique ou encore il ne présente pas une analyse proprement technolinguistique au sens de MyAnPal. Et avec Matteo Farina, on va avoir affaire à une première tentative de description, on va dire, structurelle et organisationnelle des conversations numériques écrites et donc des fils de discussion étendues. J'ai également essayé de parcourir les travaux de Christelle Pomcelic, qui nous propose deux articles assez intéressants dans lesquels elle mobilise des notions assez intéressantes, des notions phares en analyse des conversations.
notamment la question des séquences dans les vlogs, la question du message, de conversation pardon, par commentaire. Et nous avons également exploré le travail de Sabrina Bellois sur la discussion par message privé sur Facebook. Mais dans ce qu'elle appelle la sociolinguistique conversationnelle, elle va plutôt mettre l'accent sur la dimension de ressentir, donc sur tout ce qui est écrit sans convoquer la dimension technologique. Et après ça, j'ai essayé de parcourir un test que j'avais posé auparavant sur l'analyse structurelle des discussions spontanées sur Facebook. Et donc, c'est à partir de ces éléments-là que je propose de vous présenter l'ancrage qui, pour moi, pourrait permettre de travailler les conversations numériques écrites, de sorte à permettre une analyse beaucoup moins technolinguistique, mais qui prenne également en compte les dimensions conversationnelles, également pragmatiques. Et donc, nous nous appuyons sur l'ADN de Marie-Anne Pavot à travers la lecture symétrique et tout le cadre théorique qu'elle nous présente, ce qui nous permet également de pouvoir rendre compte de ce qui s'écrit en ligne à partir de l'analyse conjointe de l'environnement et des instructions, donc des affordances des environnements. Voilà. Et nous nous appuyons également sur l'analyse des conversations de Orecioni et Traverso à travers leur structuration au niveau global, en séquence et en unité hiérarchique, et également leur organisation au niveau local, en système de toutes les paroles et en paix adjacente. Et donc, c'est avec la dimension, avec l'analyse conversationnelle de Orecioni, on pourra par exemple travailler la structure des conversations par messagerie instantanée et pourquoi pas étendre ces analyses-là au niveau des commentaires Facebook, pourquoi pas. Alors, nous nous appuyons également sur la pragmatique conversationnelle, notamment pour comprendre le fonctionnement des interactions conversationnelles et pour également mettre en évidence la relation interpersonnelle. Et pourquoi pas, dans une plus grande mesure, faire intervenir des notions de politesse, à ça, ou encore de politesse, qui se manifeste par la notion de place et de face. Et donc, pour la place, pour rappel, parce que tout le monde le sait déjà, on va voir un peu le rapport d'affinité ou de distance qui est son interlocuteur. Et pour la face, on va s'attarder plus sur les comportements langagiers. Et donc, sur comment est-ce que les interactants mobilisent les actes versants pour la face ou encore les actes flatteurs pour la face. Et donc, c'est à partir de cet ancrage, on va dire triple, que nous proposons de réfléchir à une analyse des conversations numériques qui se situe au croisement de l'analyse du discours et de l'analyse interactionniste, qui va s'insérer dans le champ de la technolinguistique et qui va se proposer d'apporter des éléments de réponse aux problèmes que posent les fils de discussion étendus à l'analyse du discours numérique. Et donc, on aura pour objet, par exemple, de s'intéresser particulièrement à toutes les formes de conversation à dominance textuelle et d'analyser dans une perspective technolinguistique, donc en prenant en compte la dimension technique et la dimension langagière, la structure des conversations, l'organisation pragmatique et pourquoi pas un peu plus loin l'aspect énonciatif. Et donc, ce que je propose comme définition de l'ACL que je propose ici, c'est qu'elle envisage une analyse des conversations numériques écrites natives articulée autour de la description de l'organisation structurelle et du fonctionnement des conversations numériques à partir de protocoles de recherche conçus spécifiquement pour rendre compte. Parce qu'il faut dire qu'il y a des travaux qui existent, mais très peu de chercheurs se sont évertués à poser un cadre théorique qui permette évidemment d'analyser les conversations numériques écrites dans toutes les universités. Et donc, on va pour ce faire revenir sur cette notion et ensuite continuer. Et donc, nous partons déjà de la notion de lieu de corpus de Laetitia Mérépiguet, voilà, qui nous montre en fait ses travaux, qu'on peut utiliser Internet ou qu'on peut utiliser Facebook ou les réseaux sociaux numériques comme lieu de corpus, comme espace qui puisse nous permettre de recueillir des données et de pouvoir collecter des informations pour travailler la discussion ou encore les discours numériques natifs, à travers notamment certaines de numéricité, là, comme la multimodalité, l'ouverture, l'évolutivité, l'interactivité, l'interconnexion et l'hydronuméricité. Je ne m'attarde pas là-dessus parce qu'on n'est plus pas le temps et il va falloir que je compresse parce que j'aurai beaucoup à dire. Alors, deuxième élément que nous avons
essaie de travailler, il s'agit de données technolinguistiques, à savoir les positions engagées en ligne dans toute la diversité. Pour ce qui concerne les observables, on va faire référence avec Marie-Anne Pavot à ce qui s'observe en ligne, et donc à ce qui s'énonce et ce qui s'écrit dans les univers numériques. Le corpus, par exemple, de l'analyse des conversations numériques sera constitué par un ensemble d'observables classés à partir des catégories linguistiques et qui puissent correspondre aux objectifs de la recherche. Et donc, il faut dire que dans les travaux sur le discours numérique, ce qu'on a pour habitude de voir, c'est que la notion de représentativité du corpus est un peu biaisée par le fait qu'on n'est pas obligé de travailler sur une masse de données pour observer des phénomènes. On peut s'appuyer sur des petits corpus ou encore sur une collection d'exemples qui soit représentatif des phénomènes qu'on observe en ligne. Et donc, c'est à partir de ce travail notionnel-là que nous proposons quelques contributions méthodologiques à l'analyse des conversations numériques écrites. Et donc, nous proposons premièrement un mode d'observation que moi j'appelle l'observation techno-relationnelle, alors qui est caractérisé par le lien qui unit le chercheur à son ou ses enquêtés à travers, par exemple, la demande d'amitié, l'abonnement à une page ou encore le suivi sur Twitter. Et cela va permettre à l'enquêteur observateur de s'immerger dans l'environnement de l'enquêté comme s'il faisait une observation participante afin de pouvoir prendre part aux activités de ces enquêtés, comprendre ce qu'ils font et pouvoir en rendre compte comme il se doit. Et donc, ce que j'appelle observation techno-relationnelle, c'est la relation, en fait, c'est que cette relation-là n'est pas forcément liée à la recherche. Elle peut la précéder, elle peut se casser en cours de recherche ou encore perdurer longtemps après. Deuxième méthode d'enquête que j'emprunte ici à Jérémy Boisvin et Pierre Bourdieu, c'est la technique de l'ami d'un ami, qui permet notamment de recueillir des données privées, donc des conversations numériques écrites par messagerie privée. Et donc, avec cette technique-là, on pourra, par exemple, entretenir des individus dans un contexte de distance sociale qui pourrait permettre la réussite de l'interaction enquêteur-enquêté et donc de pouvoir obtenir des données plus pertinentes, plus crédibles. Voilà. Et donc, Pierre Bourdieu nous dit par exemple que cette technique-là permet de laisser aux enquêteurs la liberté de choisir des gens de connaissance, parmi des gens de connaissance, des personnes qui pourraient leur fournir des informations. Et donc, des personnes qui pourraient donner des informations sur la base de la confiance qui va s'établir à travers les liens de familiarité et de proximité. Et au nombre des méthodes de collecte de données que nous explorons et que nous, sur lesquelles nous travaillons actuellement, je propose ce qu'on appelle l'extraction écologique. Une extraction parce que les données vont quitter leur environnement numérique natif pour se retrouver dans un environnement numérique non connecté. Et donc, j'appelle extraction écologique le processus par lequel une conversation numérique écrite va quitter son environnement natif pour un environnement d'adoption. Et donc, elle consiste en une adaptation des matières langagières connectées à des environnements numériques non connectés, en tentant de restituer, et c'est ce qui est important, leur configuration d'origine. Donc, on va essayer d'extraire des données en ligne pour les mettre dans des logiciels hors ligne, en essayant de restituer l'environnement et toutes les matérialités embarquées dans la discussion en ligne. Et donc, je distingue deux types de méthodes à ce niveau-là. Ce que j'appelle l'extraction semi-automatique, qui consiste à partir d'une vidéo de discussion, de copier des données et de les coller dans Word, en permettant notamment de conserver tout ce qui est image, tout ce qui est lien, tout ce qui est émoticône, et ainsi de suite. Voilà. Et moi, je vous présente quelque part comme ça un exemple de données, encore d'éléments qu'on peut utiliser à travers cette méthode-là. Et donc, vous voyez qu'on a la photo de profil, on a les métadonnées temporelles pour redatage qui permettent notamment d'analyser la dimension, on va dire temporelle des interactions au niveau synchronique ou asynchronique. Voilà. Et pour continuer, deuxième méthode que je propose, c'est l'extraction écologique automatique. Il s'agit tout simplement d'une impression format PDF qui a l'avantage de permettre de reprendre l'observation en ligne
Et donc, ça va permettre, par exemple, de résoudre des problèmes liés à la présentation des commentaires, par exemple, sur Facebook, ou encore à leur analyse hors ligne. Parce qu'il faut que je rappelle que je me suis évertué à proposer ces éléments-là parce que les pays du Sud, notamment en Côte d'Ivoire, la fracture numérique est encore présente. On n'a pas vraiment accès à Internet, les ordinateurs ne sont pas de très bonne qualité, et donc on ne peut pas réaliser des travaux typiquement en ligne. Et donc, il nous faut créer ou encore inventer des méthodes qui puissent permettre de travailler les corpus numériques natifs de manière plus, on va dire, économique. Alors, je vous présente comme ça un élément de données obtenues à partir de cette extraction-là. Donc, une page Facebook avec tous les éléments qui y sont et qui puissent nous permettre de pouvoir travailler un corpus numérique natif. Alors, pour continuer, au niveau des méthodes de présentation des observables, par exemple, je propose qu'on travaille avec le copier-coller de Luis Nerzo, qui nous permet, par exemple, de travailler sur des éléments obtenus à partir d'une discussion instantanée sur Facebook, par exemple, ou sur WhatsApp, et de pouvoir rendre textuellement les éléments comme on les a présentés tout à l'heure dans la partie précédente. Et donc, voici un peu comment est-ce qu'on peut présenter des observables à partir de ces protocoles-là, par copier-coller, donc copier des éléments de langage et les insérer dans un texte. Alors, au niveau toujours de la présentation des observables, on a la capture d'écran statique que tout le monde connaît, que tout le monde utilise sur les discours numériques natifs, parce que la capture d'écran a cet avantage-là d'être à la fois une méthode de collecte des données et en même temps une méthode de présentation des observables. Et donc, elle nous permet par exemple de rendre compte des technodiscours, donc des publications Facebook ou des statuts WhatsApp ou des tweets, ou encore de rendre compte de ce que j'appelle des technoconversations, donc des publications augmentées de commentaires et de réponses, ou encore des tweets augmentés de commentaires, ou encore des discussions sur Messenger ou WhatsApp. Et donc, je vous présente là un exemple de technoconversation rapportée, intégrée dans un travail de recherche sous Word, par exemple, sur ce modèle-là. Je ne vais pas rentrer dans les explications des phénomènes qui apparaissent, mais c'est juste pour présenter un peu quelques éléments méthodologiques. Alors, et donc, à partir de la capture d'écran, on peut, par exemple, collecter des données de la sorte, donc avoir des éléments sous cette forme-là, sur Facebook, par exemple, avec le smartphone à gauche, sur WhatsApp, tout au milieu, et sur Twitter, tout à droite. Voilà. Et donc, c'est avec ces éléments-là que je vais finir mon propos en disant que de nombreuses recherches existent, okay, sur les conversations numériques, mais très peu de chercheurs véritablement s'intéressent à la dimension conversationnelle proprement dite, au sens de Kerbach-Lorenzoni ou encore à la dimension pragmatique de ces discussions en ligne-là. Et donc, il va falloir que les chercheurs s'intéressent à ces conversations-là qui mettent en évidence le caractère interactif et participatif de Web 2.0. Et donc, l'analyse des conversations numériques que nous proposons ici est une invitation aux chercheurs au sein du langage à s'investir davantage dans le champ des conversations numériques écrites natives qui abritent des formes d'exercice du discours et des comportements technolangagiers aussi originaux qu'impressionnants. Et j'aurais bien pu m'attarder sur ces phénomènes-là, mais je vous dis par exemple qu'en Côte d'Ivoire et dans ce que je fais, j'ai essayé de mettre en évidence, mettre en exergue des comportements langagiers manifestés par des échanges en ligne et qui s'appréhendent mieux avec la lunette, ou encore les lunettes de la pragmatique et des éléments explicatifs et descriptifs que propose ou encore que fournit par les discours numériques. Et donc, il y a par exemple ce qu'on appelle le malparlage, qui est une sorte de violence verbale non violente. Bon, c'est un peu ironique, on ne peut pas que c'est ironique. C'est une sorte de trolling, en fait, subversif, orienté dans une perspective humoristique. Et il y a ce qu'on appelle l'attachement en Côte d'Ivoire, c'est de la moquerie qui ne menace pas la face positive de celui qui est moqué. Et donc, c'est une forme de cramanazisme humoristique. Et donc là, voici un peu quelques petits phénomènes qu'on peut analyser d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue conversationnel, à partir d'un ancrage théorique, on va dire pluriel,
en prenant en compte la disponibilité de Mike Ampavo, en prenant en compte la base conversationnelle de Richoni, en prenant en compte la pragmatique, pour en faire un tout qui puisse nous permettre de rendre véritablement compte des conversations numériques écrites, natives, à travers toutes ces dimensions-là. Et donc, c'est sur cette petite remarque-là que je vais finir mon propos et vous présenter une petite bibliographie indicative. Et c'est ainsi que je vous dis merci de m'avoir écouté et bonne continuation dans vos recherches. Merci beaucoup, Liné, pour cette belle présentation très, très complète. Donc, je propose qu'on passe directement aux questions du public. Donc, si vous avez des questions, si vous avez une question, c'est le moment de les poser. Oui, Marianne Pavot, s'il vous plaît, la parole est à vous. Oui, merci. J'avais une question pour Donald. Merci pour cette communication très, très, très dynamique et très, très précise. Et je me demandais si, dans l'avancée de vos travaux, au-delà du malparlage et de l'attachement, vous envisagiez d'intégrer d'autres caractéristiques conversationnelles en Afrique subsaharienne ou en Afrique tout court, si vous aviez déjà des projets à ce niveau-là. D'accord, merci professeur pour votre question qui me donne là l'occasion de partager une question sur les conversations numériques écrites et sur le discours numérique en général. Et effectivement, j'essaie de réfléchir à cette dimension-là, c'est-à-dire à explorer d'autres phénomènes dans ce que j'appelle par exemple la techno-sociolinguistique. Ou encore à travers ce que la notion de techno-sociodiscours. Parce qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, il y a cette floraison de phénomènes, on va dire discursifs en ligne, mais caractérisés par des pratiques sociales, par des pratiques langagières en fait. Et donc, j'ai quand même commencé à recenser quelques phénomènes, notamment ce que moi j'appelle des mêmes langagiers qui quand même se propagent sur la toile en Côte d'Ivoire. Donc j'essaie comme ça de fouiner ça et là, d'observer un peu les pratiques en ligne pour collecter des informations. Mais j'ai essayé de recenser, mais je continue toujours de travailler là-dessus, d'analyser pour voir un peu comment est-ce qu'on pourrait en rendre compte d'un point de vue conversationnel. Parce que jusqu'à présent, c'est la dimension pragmatique qui prime un peu avec la question de face et de place. Mais puisque vous le dites, je vais quand même continuer d'explorer, de creuser afin de, pourquoi pas, faire ressortir d'autres éléments qui puissent véritablement permettre d'asseoir, on va dire, cette nouvelle épistémologie à travers ce projet un peu ambitieux ou prétentieux que je propose. Merci beaucoup pour votre réponse, Donald, parce que je pense que vous pouvez constituer les bases d'une sorte de culture conversationnelle africaine qui aurait la spécificité de circuler sur le web, par exemple. Je ne sais pas, voilà, en vous écoutant, j'ai eu cette idée-là. En tout cas, moi, ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre et de vous lire là-dessus dans les mois et les années qui viennent. Mais on aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci pour ça. Henri, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez désactiver le partage pour moi, s'il vous plaît? Est-ce que je peux désactiver le partage? Attendez, j'essaye de... Je vais repartager votre... Voilà, comme ça, je coupe votre partage. C'est parti. Alors, je ne sais pas, Camilla, s'il y a d'autres questions pour l'intervention de Bruna.
Alors, tout juste avant, Donald, cette idée d'une techno-sociolinguistique, je vais y arriver, me semble assez intéressante. Et justement, ce que Marianne Pavot disait, cette idée de stratégie conversationnelle de l'Afrique, ça semble assez intéressant et assez prometteur. Il disait que j'ai appris beaucoup de choses en écoutant les deux présentations. Et c'est vrai que ça donne envie de découvrir un peu plus, notamment tout ce qui concerne le techno-discours, techno-discursivité. Effectivement, pour moi, c'est un domaine très nouveau, vu que je ne viens pas de la discipline. Je suis en sciences de l'information et de la communication. Donc, ça me permet vraiment de voir aussi des points de contact éventuels entre les différentes disciplines. J'avais une question pour Bruna. Bruna, est-ce que tu es là? Bruna? Je pense qu'elle ne nous entend pas. Oui, je pense qu'elle a... En tout cas, c'était une question plutôt parce qu'elle a présenté sa communication, elle portait surtout sur cette idée des effets de sens. En fait, je voulais savoir par rapport à ceux qui sont vraiment natifs du web, par exemple les mèmes, tout ce qui relève de cette dimension-là. Donc, comment on pourrait aussi... Qu'est-ce que ça change, notamment pour les ludolinguistes, en fait, je voulais savoir comment cela affecte aussi ce travail, quelles sont les limites, les défis enfin, qui posent cette nouvelle façon enfin, de faire de l'humeur, mais en ligne. Je sais éventuellement si Marianne Pavot a des commentaires là-dessus. C'est dommage que Bruna ne nous entend pas, parce que franchement, cette idée de la ludolinguistique appliquée à justement à ce que tu disais, aux mémés et à tous ces genres d'expression de l'humour dans tous les espaces numériques. Tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vraiment dommage qu'elle ne nous entende pas, parce que moi je vais pas pouvoir répondre à sa place. Moi, j'avais proposé la catégorie de ludolinguiste quand je faisais une typologie en fait des linguistes populaires, c'est-à-dire une typologie des non-linguistes, mais depuis j'ai un petit peu changé parce que je pense que ce sont des linguistes en fait, mais pas des linguistes professionnels. Et donc ce que j'ai appelé les ludolinguistes, c'est effectivement tous les humoristes qui passent leur temps à faire du métalangage, en fait, hein, à faire des jeux de mots et à parler du langage et à redéfinir le sens des mots. Oui. Mais voilà, je m'arrête là parce que je maîtrise pas son sujet, que je trouvais tout à fait intéressant et dont j'aurais effectivement aimé savoir plus. Voilà ce que je peux. Merci beaucoup, en tout cas, de partager vos impressions. Bon, si on n'a plus de questions, je propose, Henri, tu me diras qu'on se quitte là et qu'on se retrouve demain à 14h pour la conférence plénière de Julien Langui, donc à 14h, et ensuite on va enchaîner avec les différentes sessions consacrées aux thématiques qui ont été en avant dans cette journée d'études. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation, pour vos questions. Désolée pour des éventuels soucis techniques, mais maintenant c'est notre monde, il faut faire avec. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre attention, pour votre compréhension. Merci à tout le monde, merci pour cette journée d'études. Merci. Merci pour la belle organisation, merci beaucoup, à demain. À demain. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. À demain, bonne journée. Merci. Je pense que Bruna, elle a des problèmes de... Attends. Oui, en fait, je pense qu'elle avait un souci parce qu'elle n'avait pas de son
son ordinateur, et du coup, je pense qu'elle a utilisé son téléphone portable pour les sons et l'ordinateur pour la présentation. Enfin, c'était un peu...